Connectez-vous. Vous savez que moi, je ne provoque jamais. Et j'ai horreur quand on vient me provoquer. Quand on vient m'insulter sur mon mur. Parce que dans la vie, là, respectez les murs des gens. Moi, je respecte le mur de tout un chacun. Je ne vocifère pas du n'importe quoi dans les murs des gens. Donc, je ne provoque pas, je n'insulte pas les gens que je ne connais pas. Si je te dis mouf, ça veut dire que c'est une personne avec qui on a l'habitude de blaguer. Donc, quand je ne blague pas avec toi, et surtout que tu, peut-être tu es une nouvelle amie, je vais vous montrer une femme. Elle, son Facebook, c'est Josiane, si c'est Kadi. Oui, cette dame, j'ai fait mon petit direct, là où je mangeais le matin. Cette dame s'est amenée. Vous savez qu'avant que moi, je me comporte comme une sauvageonne, je prends d'abord très bien le renseignement. Je pose d'abord bien la question quand tu viens. M'insulter sur mon mur. Je te pose d'abord parce que ça peut faire que ce n'est pas moi que tu insultes. Tu insultes une autre personne. Cette femme, je ne sais pas, il y a peut-être quelques semaines qu'elle a déjà fait peut-être plus d'un an dans mon truc des amis, des gens qui me demandent l'amitié. Je n'ai jamais, ouais, je n'ai jamais validé sa demande d'amis. Il y a peut-être une semaine que j'ai validé la demande d'amis de cette dame-ci. Regardez bien cette femme qui vient me dire les visages de mort dans Facebook. Je ne sais pas sur quoi elle se base pour m'insulter. Je ne la connais pas. On n'a jamais traité ensemble. C'est Josiane Cardi, quelque chose comme ça. Donc, mamie, je venais te dire, je respecte tout le monde. Mais si tu viens me manquer le respect sur mon mur, bon, ma chère, tu ne t'échappes pas. Surtout quand tu as un vrai profil. Parce que là, tu as un vrai profil. Je ne te connais pas, nous ne sommes pas amis. Je ne t'ai jamais manqué le respect, cette dame-ci. Je ne t'ai jamais manqué le respect. Mais tu viens sur mon mur m'insulter. Me traiter de visage de mort. Regardez la femme-ci là qui m'insulte. Malgré qu'elle est mariée, soit en blanc. Malgré qu'elle se dit belle. Parce qu'elle m'insulte que. Oh Facebook, les visages de mort partout. Je suis allée lui poser la question que. Tu t'adresses à qui? Je ne comprends pas bien. Tu traites qui de visage de mort? C'est à moi ou bien c'est à quelqu'un d'autre? J'ai dit, ma chérie, réponds. Parce que je vais mieux comprendre. Parce que quand elle est venue poser ce commentaire, je suis entrée dans son Facebook. Je suis entrée dans photo. J'ai regardé la personne qui m'insulte. J'ai regardé les photos. J'ai regardé les photos. J'ai dit merde, le monde ici. Ou bien parce que je me trouve au Cameroun, que n'importe qui, parce que peut-être, je ne sais pas où ils sont allés chez. Je ne sais pas parce que peut-être elle s'est mariée en blanc, qu'elle va s'amener, m'insulter sur mon mur, alors qu'elle ne ressemble à rien. Ma mère, si je vais te dire, le blanc n'a pas de goût. Parce que toi, là, tu es tellement moche, mal formé. Tu es moche. Parce que si le blanc regardait la beauté, là, c'est que toi, un noir, le noir qui va venir vers toi pour t'aimer, c'est un noir qui veut t'escroquer. Parce que tellement, tu as le gros ventre, tu as les fesses en désordre, tu as les gros bras. Tu es tellement laide et moche. Toi, tu vas t'amener, tu m'insultes de visage de mort. Tu t'es placé sur mon mur. J'ai déjà commenté ta photo un jour, non. J'ai déjà liké ta photo un jour, non. Quel courage que tu trouves quelqu'un sur son Facebook. Elle fait sa chose. Tu viens l'insulter. Et désormais, la personne qui vient m'insulter sur mon mur, si tu as un vrai profil. Je vais t'insulter, je te lave propre parce que c'est mon droit. Tu ne m'as jamais vu sur ton mur t'insulter ou commenter mal. Même si vous postez vos photos avec vos pieds penchés là-bas, je ne commente jamais. Quand je vois et que ça ne me plaît pas,
Je passe ma route, soit je ris seulement et je ne clique même pas rire. Je ris, je passe parce que je respecte les murs des gens. Donc respectez mon mur comme je respecte vos murs. N'importe qui a créé son Facebook et n'importe qui est libre de faire de son Facebook ce qu'il veut. Donc madame, tu me traites, je ne sais pourquoi. Et dans tout ça, elle a partagé mes choses, hein. Elle a partagé mon post, je ne sais pas pour quel but. Elle a partagé le direct qu'elle vient m'insulter là. Elle a partagé c'est sur son mur. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Mais je ne comprends pas. Quand on dit vraiment qu'un Bengla, les gens sont folles là-bas. Parce que moi, je me dis, si cette femme n'est pas folle, tu partages les choses d'une personne et après tu viens insulter la personne. Tu dis, ce n'est pas la folie, c'est quoi? Et quand tu la regardes, elle ne ressemble à rien. Parce que quand quelqu'un m'insulte même, je pars, je regarde carrément que mais la personne qui m'insulte, peut-être elle est même plus belle. Regardez-moi cette chose qui m'insulte. Regardez comment elle est placée là-bas. Regardez-vous-même cette chose-ci là qui vient m'insulter parce que peut-être qu'elle a ancré chez Alain Mimbou pour avoir un blanc. Elle a eu le blanc. Elle s'emmène pour m'insulter. Alors qu'elle et moi, nous ne sommes pas amis. J'ai validé sa demande tout récemment. Et tout récemment, hier, là, elle m'insulte déjà. Donc, j'étais dégagée de mon Facebook. Et avant de te dégager de mon Facebook, ça serait comme ça de avant. Tu m'insultes, tu as un vrai profil. Je capture ta photo, je te lave propre et je te bloque. Oui. Je te lave propre et je te bloque. Donc, ma chérie, un noir, premièrement, ne peut pas t'aimer tellement tu es mal formé. Ce n'est que le blanc, comme ils aiment les choses bizarres. Et je ne sais même pas comment tu as fait pour avoir le blanc là. Mon Afrique là, que je suis là, je suis fière d'être ici au Cameroun. Je n'en vis pas. Si toi, tu ne venais pas me provoquer comme tu es venu me provoquer, je n'allais jamais être au courant de toi. Parce que j'ai même validé ton amitié. Parce que j'ai supprimé certains, j'ai bloqué certains. Et j'ai validé d'autres. J'ai validé ta part comme ça. Il y a plein. Je peux vous montrer mon. Attendez, je vais vous montrer mon Facebook. Comment les demandes d'amitié sont là, en rang. Il y a d'autres qui ont même déjà fait les 1 an. Il y a d'autres qui ont déjà fait les 2 ans. Il y a d'autres qui ont déjà fait les 2 ans. Je ne valide pas. Donc, à peine je valide cette dame, elle m'insulte. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Ou parce qu'elle est en Europe. Ou parce qu'elle est en blanc. Maman, tu es en blanc. C'est ton blanc. Pour toi et ta famille. Est-ce que tu me verrais chez toi? Quand tu as même un blanc là, le blanc là, c'est pour toi et ta famille. Est-ce que je vais laisser ma famille pour venir dans ta famille? Je suis au Cameroun. Tu es en Europe. Quand tu vas venir en Afrique, tu me verras devant ta porte, mamie, pour venir te demander quoi que ce soit. Détrompez-vous souvent. Hein. Je suis fière et je suis à l'aise d'être là où je suis. Je suis à l'aise. Donc, votre petit mental que vous avez, vos petits trucs que vous avez dans la tête, que comme Coco est en Afrique, elle s'attaque aux Mbengis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis avec les Mbengis qui sont avec moi. J'ai des amis. J'ai fait de très bonnes rencontres, peut-être dans Facebook. Et avant Facebook, j'avais mes amis qui ont voyagé tout et tout, que je suis avec eux. Donc, vous autres là, vous m'aimez où? Vous ne m'aimez pas où? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qui donne la respiration à quelqu'un ici, là, sur cette terre? Personne ne donne la respiration à personne. Tu dors tu dors dans une villa où moi je dors dans une maison en Calaboto, c'est le même sommeil. Hein, papa? Tu roules dans une grosse voiture, je prends mes taxis, je vis, je suis à l'aise plus que toi. Oui, je suis à l'aise dans mon taxi que je prends. Hein? Tu manges tes poissons d'eau douce du 1er au 31, je mange mes bunga et mon haricot du 1er au 31, je suis à l'aise à mon niveau. La vie là, c'est comme ça. Je n'envie pas les vies des gens. Enlevez ça dans vos têtes. Je ne vous envie pas. Je suis une personne qui n'envie pas les vies des gens.
Je me contente de ma petite vie que Dieu me donne. Je me contente du petit souffle de vie que Dieu me donne. C'est ça l'essentiel. Que je mange le haricot même du 1er au 31, que je mange la sauce d'arachide, je suis contente de manger ma sauce d'arachide. Je ne vais pas laisser ma maison parce que je vois que tu as mangé sur le pangolin, parce que je vois que soit tu as mangé le poisson. Je ne vais pas laisser ma maison. Je suis fière de ma maison. Donc, de grâce, respectez les murs des gens. Ma chérie, toi, si c'est Kadi, machin, Josène, machin là. Tu es très moche. Donc, quand je ne sais pas ce que, ou bien tu voulais aussi te faire voir, tu voulais que je parle de toi. Tu voulais te faire voir. Parce que vous êtes comme ça, vous venez insulter les gens pour qu'on parle de vous. J'ai donc parlé de toi. Va donc faire de ça ce que tu veux. J'ai prononcé ton nom. Je t'ai montré. J'ai montré ta photo, comment tu es mal formé. Je t'ai montré. Oui. Donc, c'est ce que je venais faire, le petit direct, que la personne qui m'insulte encore sur mon mur, je te lave d'abord propre et je te bloque. Voilà. Parce que je ne cherche pas, moi, les problèmes aux gens. Hein. C'est vous qui venez m'insulter sur mon mur et je ne vous insulte pas. Dès que tu m'insultes, si tu as un vrai profil, je t'insulte propre. Tu vas me dire pourquoi tu es venu m'insulter sur mon mur. Si tu m'as déjà vu sur ton mur, t'es insulté un jour, te manquer de respect. Donc, mon combat continue avec Marc Riquet. Marc Riquet, j'attends ton... Hélène de Manou, bonsoir, oh, ma copine. Bonsoir. Vous savez que... Donc, c'est ce que je venais vous dire. Vous savez que pour moi, ne tarde pas, non, j'ai les unités pour lancer le direct, même 100 directs par jour. Oui, oui. Donc, dès que quelqu'un me fait chier là, je bombarde. Donc, mes gens, je respecte tout le monde. Même si tu es un enfant, moi, je respecte tout, chaque être humain. Je respecte tout le monde. Donc, le respect doit être... Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques le respect, je te manque le respect 10 000 fois. L'autre, là, ce n'est même pas à demander. Tu me respectes, je vais te respecter. Si tu me manques le respect, je te manque le respect. Tu vas même te poser la question que est-ce que c'est moi qu'on manque le respect comme ça? Parce que tu ne me verras pas chez toi. Ayez vos duplexes, ayez vos gratte-ciels. Je me contente avec mon carabote. Ah oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je n'en vis pas. Je ne vous en vis pas. Vivez en Europe, je vis au Cameroun. Tu dors en Europe, je dors au Cameroun. C'est le sommeil le matin, Dieu me réveille, Dieu te réveille. C'est l'essentiel. Donc le reste là, qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous allez dire que oh, ton Cameroun, oh, oh, reste là. Donc je vous ai dit que je suis gênée parce que je suis au Cameroun. Quand vous êtes en Europe, vous ne mourrez pas. Ou bien c'est comme nous sommes ici en Afrique, c'est nous qui mourrons parce que vous êtes au paradis. Là-bas en Europe, les gens ne meurent pas. Ou bien là-bas en Europe, les gens ne chient pas. Ou bien là-bas en Europe, ce qui se passe en Afrique, ça ne se passe pas là-bas. Vous êtes vraiment des parvenus, toutes ces personnes qui viennent insulter les gens qui vivent en Afrique. Mais quand vous êtes là-bas en Europe, vous n'êtes pas à l'aise, vous devenez folle. Vous voulez toujours venir ici au Cameroun, ici en Afrique, pour être à l'aise. Parce que vous n'êtes pas à l'aise là-bas. Mais je vous dis que moi, je dors bien, je mange ma sauce d'arachide, je dors, je ronfle le matin, je suis à l'aise. Donc, arrêtez ça très rapidement. La personne qui me manque le respect sur mon mur, parce que je respecte vos murs, je tiens à vous dire que je respecte vos murs. Vous n'aviez jamais vu mon commentaire chez quelqu'un, un commentaire bizarre, parce qu'il respecte tout le monde. Si je pars peut-être commenter quelque part, c'est que c'est ma personne. Je sais là où commenter. Je ne commente pas partout. Je commente là où je sais que les gens sont mes gens. Je ne commente pas partout. Même si je vois quelqu'un est bizarre dans son direct, même si je ne peux pas aller poser un commentaire bizarre. Dans les pages de trucs Congo, ça oui, je peux commenter, peux donner mon point de vue là-bas, oui. Mais les murs des gens, je respecte. Donc, respectez mon mur. Toi, avec ton ventre ballonné, avec tes fesses en désordre, tu t'emmènes, tu me dis que avec le visage de cadavre, quand tu regardes bien mon visage et ton visage, tu peux m'insulter. Regardez-vous d'abord jusqu'à me dire que quand je me mis, quand moi, Hortense Coco, je me mis, je suis belle. Je sais que je suis belle.
Mais tu viens me dire que les visages des cadavres. Donc, quand tu vois mon visage là et tu te mis, mamie, va te déshabiller. Tu regardes un peu ton gros ventre. Parce qu'en portant même ce que tu as porté, je ne sais même pas comment les gens, les femmes s'habillent mal comme ça. Hein. Tu es mal formée. Attendez, je vais vous montrer. Tu peux apporter un truc. Attendez, je vais un peu vous montrer. Jusqu'à que celle-là s'amène et vienne m'insulter. Quand tu te regardais. Jusqu'à m'envoyer dans mon miroir que je n'ai pas à me mirer. Donc, quand tu t'es miré là et que tu m'as vu là, tu as vu que tu es plus belle que moi. Regardez-moi ça. Tu viens, ben, regardez ses pieds au sol. Regardez. Regardez là. Regardez comment elle est placée là-bas, comme si on pompe seulement ça. Regardez. Regarde-toi. Tu m'insultes. Regarde ta maison en ben. Regarde ta maison. Pauvrade. Regarde ta maison jusqu'à ce que tu viennes m'insulter que j'ai un visage de cadavre. Ton visage de cadavre plus plus. Malchance. Ouais, je suis encore toi, tu m'appelles déjà. Donc, c'est ce qu'elle venait vous dire. Respectez les murs des gens. Qui me manque le respect, je lui manque 10 000 fois. Papy, je te vois. C'est comment ma personne? Porceau de l'Ouest, ça fait comment tu te perds? Tu te perds. J'ai fini. Il y a une salope qui est venue me manquer le respect. Je t'appelle. Kouetou, machin, machin, là. Je t'ai vu chez Pamela Criquet là-bas. Tu riais là-bas. Donc, toutes les personnes, les Christians de Monaco, je te bloque. Je vais te bloquer dès que je finis là. Oui, toutes les personnes là. Je vous ai vu. Donc, vous êtes là. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Vous êtes dans tous les trucs là où on m'insulte, vous partez commenter, vous partez mettre les rires. Vous venez chez moi. Donc, je faisais ce petit direct par rapport à cette, je ne sais pas, elle voulait se faire remarquer. Elle voulait que je parle d'elle. C'est comme ça que vous venez me provoquer. Je ne vous provoque pas. Donc, je venais dire, donc tu t'es regardé, quand tu t'es regardé là, tu as vu que tu étais belle. Mais tu m'envoies dans. Attendez, je vous montre. Je vous montre, il faut que j'aie une photo là où je suis un peu debout. Tu vois un peu la femme, toi, parce que comme vous avez les faux. Comme vous avez les faux profils, une sapaque, ma personne. Une sapaque qui m'insulte, elle trouve, j'ai fait mon direct, je mangeais, je faisais mon show. Elle arrive, elle dit que, hé, hey, Zuckerberg. Attendez, je vous montre ma photo avec la chancelière. On était sauce. Vous avez vu une fille classe comme ça là. Regardez-moi. Parce qu'elle peut m'insulter. Regardez. Je suis avec la chancelière. Ça, c'était ma co avant. C'était ma co. Ma co de harpe. Elle était très sexy là. Elle avait porté la culotte. Elle est venue au marché me rendre visite. C'est ça que celle-là vient m'insulter. Attendez. Cherchez une photo là où je suis debout. Mes gens, vous regardez un peu cette sapate qui m'insulte. Cherchez une photo étant debout. Vous savez que je me filme seule. Je n'ai même pas trop de photos debout. Hein. Regarde ici là. Ma chérie, regarde une sexy woman. Regarde-moi. Regarde comment je suis placée là. Tu m'as vu. C'est moi, un ami. Hein. C'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est moi. Attends, je te montre encore. Tu vois comment la femme est placée au sol. Regarde, tu vois, c'est toujours moi, non? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein? C'est moi, mamie. Attends, je cherche. Tu vas, attends, je vais donc vous montrer cette sapate qui vient m'insulter. Ça, je suis au 50-50 avec une sucesse. C'est toujours moi, hein? Tu vois, non? C'est moi ici, là. Hé, mamie, sans ventre, c'est moi là-bas, un ami. Attendez, je vous montre l'idiote alors. Je vous montre celle-là qui m'insulte. Attendez, je vous montre. Qui me dit d'aller me mirer. Elle me dit, quand tu te mires, tu vois comment. Regardez, c'est elle ici. Regardez vous-même. Regardez la personne qui m'insulte. Regardez ses pieds au sol. Regardez, elle a épousé un blanc, hein. Regardez ses pieds comme ça.
Regardez, là voici. Regardez ses pieds. Regardez. Regardez son visage. Regardez. Elle a porté quoi? Avec son gros ventre. Tu m'insultes. Tu m'insultes. Tu viens sur mon mur m'insulter. Tu viens, tu m'insultes. Voilà. C'était bon aujourd'hui, j'étais bloquée. Allez lui dire, peut-être vous la connaissez, que quand on vient sur les directs des gens là, on respecte les murs des gens. Même si tu as dit, tu fermes ta gueule. Bonne soirée.